Bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un grand plaisir ce matin que de venir jusqu'à vous et de vous fêter et souhaiter de bonnes fêtes. Effectivement, Noël est derrière nous, mais on est bien à la veille de la Saint-Sylvestre, le dernier jour de l'année. Et demain, lorsque vous vous préparez pour festoyer, pour certains d'entre vous, n'oubliez pas d'être en toute sécurité. Prenez vraiment soin de vous. N'oubliez pas toutes celles et ceux qui sont autour de vous et qui n'ont pas la chance de pouvoir festoyer. Soyez prudents, faites vraiment attention parce que vous êtes important à mes yeux. Il est vrai aussi que j'ai envie de vous souhaiter une bonne année 2022. Mais cette année 2022 va encore être très compliquée. Et surtout avec ce variant Omicron qui est arrivé ces derniers temps. Les chiffres sont incroyables. Entre le nombre de malades et le nombre de personnes qui sont cas contact, cela va être très compliqué dans les semaines à venir. Ainsi, je vous invite vraiment du fond du cœur à faire attention, à prendre soin de vous. Lorsque Jésus est né dans la crèche, il n'y avait pas assez de place pour les accueillir dans une maison, dans une aubergerie. Mais il faut se poser la question, est-ce que nous trouverons la place qu'il faut si nous sommes malades? Effectivement, cela se rejoint. Et nous devons ne pas cesser de prier et d'espérer, d'avoir foi, chacun dans sa religion, en ayant foi et espérance. En étant là pour notre prochain, à tendre la main quand il le faut, à se dire, allons de l'avant et construisons le futur ensemble. Les médecins vont devoir prendre des décisions. Les décisions sont simples. Oui, on accepte la personne dans notre service. Non, il n'y a pas assez de place. Et ainsi ira la vie. Nous sommes dans des situations complexes, comme je le disais. Et je vous invite vraiment, vraiment, du fond du cœur à faire attention, à prendre soin de vous, mais aussi à prendre soin des vôtres. Pour la moindre grippe, la moindre bronchiolite, mettez un masque et protégez ceux qui sont autour de vous. On n'a pas besoin de rajouter encore des problèmes, alors qu'on peut être en toute sécurité soi-même. Ainsi donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, certes dans des conditions différentes, et cela sera encore différent dans les jours à venir. Mais je vous souhaite aussi une bonne et heureuse année 2022. Prenez soin de vous et allez dans la paix et l'amour de votre prochain. Bien à vous toutes et tous, et mes gouttes les bénissent.